Une de tes autres Michel Lebel et Huilanunza. On est professeur émérite et Huilanunza de tes autres catéchistes de sociologie à l'UQAM. On est vice-président des intellectuels pour la souveraineté. On est tes ellipsos. On est tes autres tomes le que de l'Europe est histoire nous scobie. Mais on est tes autres sur gazi d'abdanda. Des thèses oui de quoi mais des thèses ou net base mon ne adlogan de ta het sad mazanote de kat sad mon megwat tane che hidudant ji ko wed nagan tane he che choni non ji wed nagan ton he na gon ji dabdan mak tane hidudant ji wed nagan tane che stagan ji wed nagan chonu che na na gai na na ga da disan na na gai buldozen wen ji wed iti nag da dot base mon ja ode wi na khoy mat ne lut base mon me ji te ka Dites ces que donnez miam Denis Delage, on est professeur émérite sociologie université Laval de Yvan Lamonde qui paye quand on donne tes nous tenez qu'à d'agimoser de base mon mina de tes Justin Picard qui est la assemblée de première nation Québec Labrador c'est tant de que une on donne tes de autre une autre qu'à chez son dom de tes mina ne l'autre session de trop ni han de tes de Pidez étudiant pour la souveraineté à 95 ans de tes masterland en doute quand oui c'était en des aidant ou c'est quoi il dit ça ne huit belle mais dit ça ne web studiot et que gazum la belle ça mais quand il a pas tenu quoi trop ne net c'est quoi ne ou d'autres les intellectuels pour la souveraineté dis-je car quand même c'est une et c'est un nous a quand on est des habs de c'est un web studiot ça mais quand de pegon herde de les souverainistes théorie que de gâte libéral et dépendantisme c'est pas c'est tout dépeg de gâte c'est moi n'a ta ma ou ta de hita babalo au do de me gote et c'est ça au même miam que de l'eau petit stone au do de ce que j'ai d'abdan ou ta lipsou point comme au do de tes autres c'est wagna au do des intellectuels pour les souverainistes qui m'a dépeg leur page Facebook au do de tes en direct ne tes ça tu que donner un bastet chka au nom même dis mais que de l'eau pays ça tu stone scobi au do de tes ma mouche au do pedag da donne vilo i hobdom do me hoje que do anone au nom miam Michel Lebel Ухът не лука гуезмак, че пазя не хуемунан пшиш, че го не вили ухът не липсу. Та де уедз бълне, огону не тези цей да базам стагви уехът, че не сте да млигва, та де па бълдо уехът, манджиш кахгал. Je sais pas si les gens se rappellent qu'en 1995, il y a eu un référendum au Québec sur l'indépendance. Et que dans la société, il y a plusieurs groupes se sont organisés dans un camp du non et dans un camp du oui. Bon, quand je dis plusieurs groupes, c'est vraiment plusieurs groupes. Et dans ce contexte-là, il y a une centaine de personnes qui sont des intellectuels, entre guillemets, qui ont créé un organisme qui s'appelle les intellectuels pour la souveraineté. Donc, IPSO, IPSO. Ces intellectuels voulaient travailler à développer des arguments en faveur de économique, politique, culturelle, en faveur du droit, de l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple québécois. Et avec le temps, ils ont produit des études, etc. Mais avec le temps, on sait que le référendum a été perdu par quelques milliers de voix, c'était presque 50-50. Et avec le temps, donc, cet organisme a perduré. Et c'est pas unique au Québec, on sait qu'actuellement, en Catalogne, en Écosse, il y a encore le même genre de débat, le même genre de mobilisation pour que la Catalogne soit indépendante ou que l'Écosse soit indépendante. Avec le temps, donc, l'organisation a perduré, a continué. Aujourd'hui, c'est un mouvement encore peut-être un peu plus petit parce que on dirait que l'indépendance au Québec, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Mais quand même,
ça implique des anciens, des personnes assez anciennes qui étaient là dès le début, mais aussi des jeunes qui sont des indépendantistes. Et l'organisation est pluraliste, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire d'être dans un parti politique précis, pourvu qu'on ait, disons une posture indépendantiste, pas une croyance, mais une position, disons. Mm-hmm. On organise des débats, on organise un colloque annuel, on fait des interventions publiques, et par exemple, la plus récente, c'est l'intervention qui a dénoncé le racisme systémique à l'égard de Joyce Echaquan. On a fait un communiqué de presse dans lequel on demandait qu'il y ait action sur plusieurs plans. Et auparavant, on avait adhéré à l'idée d'une journée internationale qui vise à éliminer l'esclavage, disons, la reconnaissance de l'esclavage historique. Ça, il y a plusieurs autres types d'interventions, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est ça, c'est une organisation qui vise à mobiliser, mais avant tout à faire comprendre les enjeux, donc à les analyser, puis à diffuser aussi l'information. Il faut dire qu'on a un site internet, IPSO, www.ipsoquebec.org, et là, on peut trouver un info IPSO qui publie toutes sortes de nouveautés, on peut trouver des bibliographies sur la question nationale, les questions nationales, on peut trouver le programme du colloque, on peut trouver la mission des IPSO dès son début, donc de l'information. Et puis, plus récemment, on a été très présents sur YouTube, nos débats ont été enregistrés sur le web, et donc et puis on fait, bon, le prochain colloque qu'on organise va se faire sur Zoom, en visioconférence. On ne veut pas encore prendre le risque de le faire en présence, mais on se rend compte aussi que finalement, en visioconférence, on atteint plus de gens que quand on le fait en présence. Michel Labelle et Milan, notre professeur émérite de l'UQAM en sociologie. Rodote Tezer 95, Rodote Kasnuent Sitama, Rodote Tezeo et Webstroyago et Ustay de Detza. Et que Gatu, Rodote Teze Malabel, et que Detize Guide Lamdo Ilosa, Pemda Hamlo Fichinza, Rodote Mamot Zito, Tizima Mot Sedo Zenka, Ramstad Monahat, Rodote Tezeno, Ramstad Ledner, Tizima Labella, et que Rodote Guikoza Badanel, Tizi Unut, Tizi Heiswan, Tizi Unut Teze, the Danut Pix Mudedoza, et que Rodote Teze Hamle Mahiv. Chestmomnelo to habet sebem na dobet sebem me gudune tezeri hin stop mali me chat malim za me khona ta tseno go un data nan za e ke on dishen ke hagal go hab debel gudune an organism ke hui dano me khundish ke hagap pegonde bo mo ke web story at chuz mat gudune hab de fez de tezeri an ikos ke pegono gudune teze hab de blune mi amu wi pex mudet ke wilo dishi ke hagal za gudune her de to de her ke ka fadet la nerusi pex mudet me mazed do de hat zi tatwenzen Huawei, on a des thèses de pas et cada dos, mais on est cada les libéraux, les souverainistes qui m'allaient piquer, qui pègnent, on a des thèses. Et à d'autres que vilain, jusqu'à habdit, c'est un donné web story, c'est pas de l'antigi, de dondo que vilosa, ou de pédado, d'immunos, ou de nettez, d'ici, mastelana, oui, de moment de mani moemano, web story, chose mosa, de tes eaux, t'es oui, d'un peu barriga de donné, l'osa, le racisme systémique, et oui, d'un, d'ici, carale, gaho, ne se gronde, de vilo, gay, malodnats, les marines, que trollo de que, ou de ne, et chimois, donné, nous, n'yamne, de ca, Pandora, Zabando, Rodot l'esclavage, car Huidano, Kenan, Pegonan, Chihuidanona, Dona, Jesse Chakwanda, donc les marines, Rodot de Teze, Castim, Rodot, Tidlote, Rastondo. Donc Rodot de Teze, Wilo, Hobdom Dota, Tijirunote, Trondaway, Hedjim, la Stede, Rodot Bajison, Tezene, Tedouizano, Rodonne Teze, Hibuhel de Wilo, et Kurt Havde Donon. Le 11 septembre, vous organisez un colloque annuel. Oui. Avec des gens, des professeurs des universités,
Il y a Justin Picard qui va être présent dans cette session, dans la première oui. session, là, à 9h à 10h30. Présentement, ce que je comprends de l'IPSO, c'est que l'IPSO essaie de corriger un peu ce qu'est l'histoire enseignée aujourd'hui. C'est comment qu'on peut mieux faire un portrait de l'histoire du Québec. Est-ce que c'est bien ça? C'est l'objectif de ce petit colloque. C'est pas très prétentieux. Mm-hmm. C'est de 9h à... C'est pas un colloque de deux jours. C'est mm-hmm. un colloque d'une demi-journée, un samedi matin. Mm-hmm. Mais il faut comprendre pourquoi on s'est mis sur ce sujet-là. Et ça s'appelle Histoire liée. Liée, ça veut dire L-I, accent aigu, E-S. Mm-hmm. Le Québec face à la pluralité des trajectoires. Nous, récemment, on a été témoin de toutes sortes de manifestations en Amérique du Nord, entre autres organisées par des groupes comme Black Lives Matter ou Idle No More, et qui réclament et qui exigent la justice sociale, la dignité, et qui essaient de voir comment d'analyser les conséquences d'un passé où régnait l'esclavage, le colonialisme et le racisme, et où les droits de la personne et des peuples n'existaient pas. Bon, ce passé-là a des conséquences sur les conditions actuelles de vie des personnes. Mais il y a aussi des conséquences sur la façon dont on enseigne l'histoire dans les universités ou dans les cégeps ou à l'école primaire. Et quand je parle des conséquences actuelles, je donne pour exemple l'expérience de Roméo Saganache, qui a témoigné de son expérience dévastatrice dans un pensionnat, alors qu'il a été arraché de force à sa famille. C'est le même Roméo qui s'est battu aux Nations Unies pour qu'il y ait une déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones qui affirmerait les droits des peuples autochtones à l'autodétermination, à la culture, à la langue, aux terres ancestrales. Moi, je dis que c'est le même combat pour les nations autochtones que pour les Québécois comme moi, dont les parents et les ancêtres ont subi le racisme. Moi-même, j'ai subi le racisme quand j'étais plus jeune. Par exemple, dans la rue, je me suis fait crier « Speak white ». On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mm-hmm. mais je pourrais vous démontrer comment ma mère, oui. quand elle allait magasiner, ou comment mes ancêtres, les patriotes de 1837, comment ils ont vécu ce racisme. Bon. Et on sait que les peuples opprimés ont mené leur lutte de libération nationale partout dans le monde, puis qu'ils continuent à le faire. Alors, le colloque vise à réunir des penseurs qui sont des gens qui ont réfléchi à ces questions-là. C'est-à-dire, la première partie du colloque, ça va être la question suivante. Comment interpréter les histoires des gens qui vivent sur un même territoire? Pour qu'il n'y ait pas seulement l'histoire des ex-Canadiens français d'un côté, et puis mes connaissances des histoires, par exemple, des nations autochtones ou, par exemple, des Afro-Québécois. D'accord? Comment est-ce que dans quelles sont les perspectives théoriques qui nous permettent de lier ça? Ces histoires-là. Et la deuxième question, qui est une question plus didactique, c'est comment former les enseignants pour faire connaître ces histoires. Donc, la première partie, donc, ça vise à sortir du silence les préjugés, les injustices du passé qui ont touché les populations, qui ont souffert de colonialisme ou d'esclavage. Et si on va entendre sur ces questions des gens comme Denis Delage, Yvan Lamonde, probablement Justin Picard. Et la seconde partie, comme je disais tantôt, elle est plus de l'ordre des professeurs qui sont des spécialistes en sciences d'éducation. Ici, on va avoir des enseignants qui sont à l'Université du Québec à Chicoutimi ou à l'Université du Québec à Trois-Rivières ou à l'Université de Montréal ou même à l'UQAM où il y a un nouveau certificat en études autochtones. En études autochtones. Voilà l'esprit, c'est déblayer le terrain, parce qu'en demi-journée, on ne va pas apporter des réponses c'est complète, là, c'est évident, mais on veut déblayer le terrain puis apporter une vision nouvelle, c'est ça, je pense. Mm-hmm. On pourrait dire une vision inspirée par les théories de la décolonialité. Mm-hmm. C'est ce que j'écrivais dans l'article qui a paru dans Le Devoir. Mm-hmm. Mais je disais aussi qu'il y a eu beaucoup d'abus. Les gens, quand les gens disent décolonisons, on vit pas dans un système colonial aujourd'hui, là. Mm-hmm. C'est le passé, le système colonial. Et, entre guillemets, les effets de ce colonialisme-là, la théorie de la décolonialité cherche
à les montrer, à mettre le doigt dessus. Et donc, ça veut dire tout ce qui a été silence, tout ce qui a été masqué, et tout ce qui est de l'ordre de l'injustice de la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est ça qui peut être l'intérêt de cette petite réflexion-là, voir où on en est aujourd'hui. Mais quand l'Europe est en train de se couper, est-ce que tu as des thèses où on a refait l'histoire du Québec, où on a regardé l'Enlouza, où on a dit qu'on 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 a dit ne kena wanza de odne eta babal hatni inu de baats munde ut baats munonde vilo hatte kok se hatte je gunut mal ta babal ja gunut mal jiga na gosne ke gna ne tchone ke fala gunu ne wa wi ut di mat me gunu di so khuna mucham te de mun mucate che ba mu gunu ge itna ta bo sa ji me ste jat me gunu de te ze ji gunut ne hen gan ne sta gan ji ne sta da gut ne ta de ta gut ne me gut ke gunu ne te ze ne ut te da ba bel mu ji te ga hal de ut ne ji ne web sto ya ne na gulu ta pas mu ne me gut ke gunu ne te ze me me sto no update dan ma ne me ze do de te ze ut ne at wi lo ne de te Demian Black Lives Matter im Stato il lo che pegan idol no mo endo il ne lo ci chic mi ha medo do an qui hai do an mi ha ne questone ven la ga che hai do da ga access e che ho do ne ni 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 ci da de nan de ci mel do hab de nan de te ze te tane che fle ta de wez bel ma tan ho do ne te ze ne o de bas mo no de o ti nota di sne ka ga le e na ha go ne lo lo me di sme de me di sme ci ha che tan de o te Pablim ne tese ti Pabl donen diska gata ta magde tese unde tese tanze chat mazan unde tese tanze wawida de gat chat mode gam sta chat mat nan unde ke usni chugat chat mode ya psi sat ke pego na tumne unde ne yud baz mono ne gome usaga nas winelo unde ne bu chat chat mon hata go de wez bel masti do da gwibne no e ke unde kenil o go de nom jihan de unde de baz mon kenin de we khat ke do da guyat ne nilan ke kok sel mesto huimeta ugudude teze hama ugudude tapaz munagina ne tunina le patriot ke huitana ugudut la liberacion nacional ngo ke nestop dande teze tapaz munonde wilo herne dishke ka hagale ugudute habde belza ugudute mesto huimana nutana ugudude nan masanan ci ugudute gaundane ugudude ukhat tiwa widmat ugudude teze ne tapaz mun tanze hiwabdan tanze ugudute ha huita gande ugudune teze ci ne tababalde teze nutune snuen with the bass mun ji tole peg mani gani na got odo de teze tane ji ho ho wi dan de mi chwant ji tabbel magode de la deuxième partie ça mais odo ne khma ti pet pet ti ab da ji galo odo de teze tane du dan ji stande mani gan ji ho wi dan de gat sad mat na not odo ne teze wo wi odo di mat hi isoza Gunungnya tezemane wilon ni stop tu, mesti wilon tezemane ini mesti ni kan. Tanah yang beli wilon de webstore ya de kacau ugat semua ni himos. Dekat ni mesti awidan, orang ke pegona guru dekolonisam ban. Sedagoj kita hagalah bunyi hilionado de utah choz mat herde wilon itu guizat miamba wasai tu dati lusa. Me dishe kita hagat sedagoj. Dene ways belne rodota le colonialisme kem strohuida no ne ka kok se swilka uno de qui ka se demo ka snuz valuta ze hi do do ti loza de ways bel rodode de te ze ne ne na go ne diskargale pe bheke do do anilo de wilone te ki im do tsel matilo tan de mia met tole lo ne te tan te de mia het te hi to ge ze do to ze do za ti go no ne wa mal wa wi dem doni wi lo za go do ne ti go no ne mo cham ti sa bla no ne he sta ne he na kan ma ni mi cham ti jin sta da go tan de ta no ne me go hab de do doa do no te Michel Lebel go do ne professeur de sociologie à l'UQAM. On sait que c'est par l'éducation que ça va comment oui. que ça va s'enseigner que les répercussions vont être plus fortes là. Oui, je sais que les invités entre autres pour la seconde partie là, les professeurs en sciences d'éducation, ils ont fait beaucoup de recherches puis ils ont fait beaucoup de colloques probablement sur les mêmes questions. C'est peut-être la première fois que un organisme comme les IPSO qui est pas un, même s'il y a des professeurs d'université dedans, c'est pas l'université là.
qu'un organisme comme les IPSO s'attaque à cette question-là. Mm-hmm. Ça, c'est nouveau, effectivement. Mm-hmm. Tu sais, j'ai une question qui me turlupine, là. Pour trouver les mots, les bons mots, tu sais, on parle de... Moi, je suis absolument en désaccord qu'on parle de blanc versus autochtone. Je suis absolument en désaccord qu'on parle d'indien versus blanc. Et je suis absolument d'accord pour qu'on parle de nations autochtones, nations québécoises. Mais en même temps, le peuple de ce qu'on appelle les Québécois, il est très, très métissé. Hein? Faut pas l'oublier. Mm-hmm. Il a été très, très marqué par les cultures autochtones. Puis inversement, les autochtones sont aussi des gens qui ont... Peut-être se sentent-ils un peu et autochtones de telle nation et Québécois aussi. J'ai pas de réponse à ça parce que je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Ce serait la peine, ça vaudrait la peine de faire un espèce de sondage pour savoir comment les gens s'identifient, comment ils se sentent, comment ils s'identifient si on leur demandait comment vous identifiez, qu'on leur donnait un choix. Mm-hmm. Strictement autochtones, strictement québécois ou les deux. Un peu comme souvent des Québécois se sentent Canadiens et Québécois, d'autres se sentent uniquement Québécois, mm-hmm. et d'autres se sentent uniquement Canadiens. Ça, c'est un domaine de recherche que j'aimerais qu'il soit ouvert. J'ai aucune... Je dis ça comme ça, donc c'est tout à fait spontané. Mm-hmm. On parle de crise d'identitaire dans de ces cas-là. C'est ça. Mm-hmm. Crise identitaire, oui. Est-ce que les gens peuvent suivre cette session-là, ces deux sessions? Oui, ils peuvent le suivre en s'inscrivant. S'ils vont sur le site www.ipsoquebec.org, on vous invite à partager le lien URL pour obtenir davantage d'informations et inviter vos amis, vos collègues. Donc, https://agir.ipsoquebec/fr/événement au pluriel sans le E, accent aigu. Mais je vais vous transférer ça. Parfait. Il y a aussi sur Facebook, hein, en direct sur Facebook, ce qui est écrit sur le site. Et ça va être enregistré. Il va y avoir donc entre les deux, après chaque session, quoi, il va y avoir une première question. Michel Labelle, ça va donner un peu de temps, ça va donner des éloignements, il me donne un peu de temps, ça va donner Michel Lebel, professeur émérite en sociologie d'ETZ à l'UQAM.